Yep, salut à tous, c'est Azazel le Moine, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hellblade. Donc on est toujours à la poursuite, en tout cas en train de chercher Valran, hein, si j'ai bien retenu son prénom, le dieu des illusions. Qui est un dieu qui, on l'a vu hein, dans l'épisode précédent, visiblement c'est un grand gamin, il aime bien jouer à cache-cache. Par contre, comment je retourne à la porte là? Donc on devait ouvrir une porte hein, sur le dernier épisode. Et il fallait faire plusieurs passages. Voilà, il est là l'escalier. Et pendant qu'on cherchait à créer ce passage là, on entendait le chant du dieu Valran. Et on l'a entreaperçu, c'était assez bizarre. C'est bon, la porte doit être débloquée. Par contre, je trouve bizarre qu'il n'y ait pas de stèle avec une rune dans ce coin-là. Je me serais tendu à moitié à en voir une. Je suis pas allé explorer par là. Que dalle, je peux pas monter. Bon, ouais, tant pis. Hein. Donc, on va courir lentement parce que notre cher Senua court lentement vers la porte et puis on va poursuivre. Là je trouve qu'il est un petit peu mal fait dans le jeu, c'est Senua qui à son souffle visiblement elle est apeurée. Oh, ça sent le combat ça aussi ici. Non, y a-t-il quelqu'un? Ah, je pensais bien. Behind. Petite roulette poulette. Allez, venez les filles. Allez, viens, Mackay. Là, tu vas prendre cher. Ah, il m'énerve avec son bouclier. Encore un. Ah oui. Allez, cours. Oh là là, je l'ai complètement loupé là ce truc là. Reste pas dans le coin, reste pas dans le coin. Oh là, j'ai pris cher. Ah là 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 là, j'ai pris cher. Bouge, 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 mes mères, bouge, bouge.
Bouge, 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 bouge. Ah, il est pas mort encore? Il est super costaud, lui. Ok. Ah, quand même. Oh, il était costaud, le pépère. Bon, pourquoi je suis venu là? Y a rien, en fait. Ah si, y a un passage. Eh, yes, y a une rune. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. En fait, je suis venu là, mais tout à l'heure je suis passé à côté d'une porte, ça serait bien quand même que j'aille voir ce que c'est. Parce que je me demande si je dois pas la débloquer. Celle-ci. Ah oui, elle est bloquée. Donc j'avais mis un peu la charrue avant les bœufs là quand même. J'étais parti chercher la voie avant de savoir que je devais la chercher. Pas mal. Oh là là. Il y a des choses jolies là quand même. Regardez-moi ça. Oh, est-ce que c'est joli. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does. Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Je dois avoir une porte, quelque chose à ouvrir par là, non? Ah oui, une porte là-bas. Je dois approcher du boss, sans déconner, je dois pas être loin, je pense. Merde, je peux pas passer là. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness.
No. It nearly killed her, but she tried. Drew's helped her. If it wasn't for Drew, she'd be dead. She can't beat her own darkness. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. Comment j'arrive là-haut? She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. Bon, je dois avoir une porte. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Ouais, elles sont bavardes les petites voix en ce moment. Hein. Je crois que je viens de faire tout ça pour rien en fait. Refaire le chemin inverse, c'est formidable. Donc si j'ai bien compris, il y a deux faux dieux. Et il faut que... Qu'est-ce qu'elle me change cette porte là? Rien du tout. Si je vais de l'autre côté... Et là, ça me fait un pont. Notre porte. Punaise. Ah mais oui. Ça va me faire un pont ça. Ah non mais ça m'ouvre un passage par contre dans le mur. Débloquer la porte, ce sera déjà fait. Voilà, c'est fait. Donc faut monter. Oh, il y a quoi par là? Une petite rune? Tiens. Regardez-moi comment qu'elle était cachée celle-là. Say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry, and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Ah, bah là j'ai pas bon. Donc c'est pas ça, fallait pas que je monte là. Ah, c'est quoi ce merdier là? Si j'ai ouvert la porte là, c'est que ça me sert à quelque chose, non? Ça va. Si je repasse devant la porte, le premier passage va se refermer, enfin le deuxième passage, et l'autre va apparaître. Putain, c'est ça. Bordel de cul de moine.
fallu ouvrir cette porte-là. Oui. Ah d'accord, Took. Ça efface une partie des corbeaux. The ravens. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. Some are still there. But where? Some are still there. No. Ravens helping. He's not helping. It's true. Quiet. Can't think. Out in the wilds. In the cold winter woods. Where have they gone? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. But she remembered Ilian's words. She remembered her promise. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. Bien. Ben, on a résolu la moitié de l'énigme. On poursuivra, on la terminera dans le prochain épisode. C'est pas que c'est compliqué, c'est... Enfin, faut vraiment être concentré, je trouve, et être assez méticuleux là dans ce que je fais pour trouver les bons passages. Voilà, c'est des genres de puzzles. Un petit peu subtil en tout cas. Allez, on en reste là, et puis... on se retrouve pour la suite sur le prochain épisode de notre Let's Play sur Hellblade. Allez, ciao, au prochain.